Voilà, encore une fois, bonsoir et bienvenue à tous dans cet événement, le dernier événement du Club Power BI pour cette saison. Et donc, ce soir, on va parler d'Excel. La session, c'est Excel dans tout ça. C'est vrai qu'on parle beaucoup de Power BI et on oublie parfois que Excel est le premier outil utilisé par les analystes qui a existé depuis très très longtemps. On verra un petit peu depuis quand ça existe et comment ça s'est métamorphosé. Et donc, on va expliquer un petit peu comment Power BI peut s'intégrer dans Excel et comment on peut travailler avec les deux. Parce que autant Excel, autant Power BI est un outil très performant, mais la plupart utilisent encore beaucoup Excel et on a tous l'habitude de cet outil magnifique pour faire une analyse de données et faire des tableaux croisés dynamiques et autres. Graphique croisé dynamique également derrière. Tu peux dire Voilà. aussi que ce soir, on va déterrer quelques cadavres. Ouais, donc Philippe a préparé quelque chose de sympa à vous montrer à la fin. Donc il faut rester jusqu'à la fin pour voir un petit peu ce que l'on a comme cadavre, comme dit Philippe. Les cadavres Voilà. d'esquis. Alors, comme d'habitude, gardez bien vos micros coupé pour se concentrer sur la présentation en elle-même et le discours qui est fait autour de cette session. Gardez vos caméras éteintes également pour que tout le monde puisse se concentrer sur la présentation. Si vous souhaitez parler, vous pouvez le faire dans le chat. Éventuellement, si vous voulez vous exprimer de vive voix, vous pouvez toujours lever la main et en fin de session, on vous donnera la parole, donc on vous permettra de vous allumer votre caméra, allumer votre micro et donc participer aussi pleinement avec nous. Mais dans un premier temps, donc le temps de la présentation, gardez tout cela bien coupé, caméra et micro éteints. N'hésitez pas à utiliser le chat hein, pour communiquer Voilà. avec nous. On vous répond dès qu'on peut. Tout à fait. Alors, on va parler des news communautaires. Alors, c'est moi qui présente les news communautaires. Oui. Ouais, alors ça, j'avais zappé un peu. Je me souvenais plus que j'allais faire. D'accord, oui, ça y est, je m'en souviens. Ok, très bien. Donc, le Club Power BI est composé de différents membres organisateurs. Et donc, au départ, c'était fondé par Tristan et sur Paris. Et il a été rejoint par Jean-Pierre et Isabelle. Je comprends qu'Isabelle est basée en Belgique, mais elle est rattachée au niveau de l'agence, enfin l'agence, au niveau du club, en tout cas de Paris. Et donc elle participe à l'organisation du club sur Paris. Sur Lille, on a Guillaume qui s'occupe du club Power BI de Lille. Sur Nantes, on a Mohamed. Ensuite, sur Bordeaux, on a trois personnes qui s'occupent du club Power BI avec Gaël, Yas et Christophe. Et je vais minimiser ça. Et ensuite, sur Aix-en-Provence, on a Joël et Franck. Sur Lyon, Marie et Thomas. Et sur Strasbourg, Philippe et moi-même, David. Moi, j'ai rejoint l'équipe très récemment et je suis ravi en tout cas de rejoindre l'équipe et de collaborer avec Philippe sur ce club de Strasbourg. Voilà. Si vous souhaitez avoir des nouvelles du club Power BI, vous pouvez vous rendre sur le site internet clubpowerbi.com où vous aurez accès à toutes les informations du club Power BI. Et notamment, vous pourrez retrouver les liens d'accès vers la chaîne YouTube. Vous inscrire aux événements également, il y a un lien direct vers la page du Meetup et participer dans le forum, soit poser des questions, soit éventuellement essayer de répondre aux questions et de participer pleinement, d'échanger et de partager vos connaissances. Vous trouverez certainement beaucoup d'informations là-dessus, donc si vous avez des questions, vous pouvez également rechercher sur le forum, voir si des questions ont déjà été posées et des solutions y ont été apportées. Et sinon, ben, n'hésitez pas à poser vos questions, il y a toujours quelqu'un qui y répondra. Accès à Twitter également. Voilà pour suivre un petit peu donc les événements sur Twitter. Les prochaines dates, qu'est-ce qu'on a comme prochaine date? Eh ben, on l'a dit, on est à la dernière session du Club Power BI donc pour cette saison.
Et ça va reprendre à la rentrée, vers septembre. Donc, on va tous passer des vacances un peu sur mi-juillet et août. Et on reviendra septembre, où là, on pourra vous en dire plus. Pour l'instant, surprise, on n'a pas encore de date définie exacte, ou on ne veut pas vous le dire, tout du moins. Donc, il faudra patienter jusqu'à septembre pour qu'on puisse vous dire toutes les informations relative aux nouveaux événements qu'on va mettre en place. Il y aura plein de nouveautés, plein de choses intéressantes dont on va parler. Il y a une équipe nouvelle relativement aussi. Il y a des nouveaux qui nous ont rejoints récemment, dont moi je fais partie également, hein. Et donc il y aura voilà, des choses intéressantes qui vont se mettre en place. On espère aussi qu'avec le déconfinement progressif, on va pouvoir reprendre des événements où on pourra se rencontrer physique, hein, des événements physiques et non plus virtuels, et donc d'avoir des sessions peut-être un peu plus en direct et peut-être plus agréable également de pouvoir partager ce moment ensemble. Donc voilà, pour les prochaines dates, ce sera à la rentrée. Sinon, vous pouvez toujours nous suivre sur le site internet pour voir donc quand est-ce que ce sera mis en place et sur Twitter également. Voilà, les nouveautés Power BI qui vont être présentées par Philippe Gégé, mon collègue, dénicheur de talent. Philippe, je te laisse la main. Oui, dénicheur de temps parce que on recrute aussi chez Métis, mais ça c'est une autre histoire. Oui, je vais reprendre la main, je vais partager mon écran, hop, et on va parler comme à chaque fois des nouveautés du Club Power BI. Je ne sais pas si vous voyez mon écran, a priori oui. Oui, tout à fait. Voilà. Juste un Allez. petit message rapide à Ludovic. Si vous nous entendez, Ludovic, s'il vous plaît, éteignez votre caméra, que ça n'envahisse pas l'écran et qu'on se concentre sur la présentation de Philippe. Merci. Allez, comme chaque fois, les nouveautés. Alors cette année, ce mois-ci, vous avez vu au mois de juin, et la mise à jour a été plutôt tardive, hein. Je crois qu'on l'a autour du un petit peu après le 25 juin. Et nos amis de Marseille ont déjà fait une première présentation de la partie Power BI Service dans la dernière session qui a eu lieu il y a 15 jours d'ailleurs. Il y a 15 jours maintenant, oui. Et donc, voilà les dernières nouveautés que nous a laissées gentiment nos amis de Marseille, je vais vous présenter. Alors, rapidement, Microsoft a rajouté toujours ses nouveaux connecteurs sur des services divers et variés. Donc, trois nouveaux connecteurs. Alors, honnêtement, je ne pense pas qu'ils soient très utilisés en France. Et Microsoft a mis à jour aussi beaucoup de connecteurs pour améliorer les performances. Alors, dans les services Microsoft, on va citer Azure Databricks et je crois qu'il y en avait aussi Azure Consommation Insight et je crois ici et Business Central qui est le nouveau nom pour ceux qui connaissaient NAV. Maintenant, ça s'appelle Business Central. Donc voilà, donc ça, c'est les trois composants des produits Microsoft et tout le reste sont plus ou moins connus déjà sur la place. Ensuite, qu'est-ce que je vais vous montrer? Voilà, alors les d'autres nouveautés, là on va s'axer plutôt sur Power BI Desktop. Il y a un nouveau visuel qui arrive pour les rapports paginés. Alors, je ne sais pas si vous savez ce que sont les rapports paginés. Si vous êtes des vieux de la vieille qui connaissez des cadavres qui s'appellent SSRS, alors je dis cadavre, c'est pas vraiment un cadavre, c'est toujours en place. Vous savez ce que c'est qu'un rapport paginé, puisque c'est un rapport SSRS. Pour les autres, c'est tout simplement la possibilité de créer des rapports, des documents issus de bases de données qui Philippe, peuvent être. Oui. il semblerait qu'on ne voit pas ton écran. Vous voyez pas dans mon écran? D'accord. Non. Et là? Oui, d'accord, ça vient. Voilà, parfait. OK. D'accord. Donc, j'avais déjà présenté une première slide avec les nouveautés Power BI. Et maintenant, je vous présente les nouveautés Power BI Desktop. Les rapports paginés, un nouveau visuel qui permet d'incorporer les rapports Power BI en mode interactif, les rapports paginés, qui sont un autre mode. Pour avoir exactement ce mode-là, il faut être ou en premium per user.
pour avoir ces rapports paginés. Et la particularité des rapports paginés, c'est qu'ils sont précis au pixel. Donc vous avez vraiment une finesse de rendu qui sont à votre disposition, mais aussi de pouvoir les imprimer sur plusieurs pages, de faire des tableaux, des étiquettes, mais aussi des graphiques. Donc voilà. Donc ça, c'est tout nouveau. C'est la possibilité de rajouter dans Power BI, dans un rapport Power BI qu'on appelle interactif, les rapports dits paginés. Je vais vous faire tout à l'heure les deux petites démonstrations des points qui suivent. On a des améliorations de visuel, à savoir les graphes en R et les histogrammes empilés. Et une chose aussi, toi, la dernière fois, David, tu avais parlé des petits multiples. Eh bien, ils ont encore cherché encore à les améliorer. Et en rajoutant un mode réactif et pouvoir changer les couleurs d'arrière-plan. Voilà, je vais vous montrer tout de suite ces modifications. Je pense que vous voyez mon rapport Power BI. David, tu m'entends? Oui, C'est bon? ça fait un bois, ouais. Alors, les modifications sur les représentations en graphe, elles sont assez simples. Vous allez voir, ce n'est pas non plus la révolution du siècle. C'est juste un petit élément de confort. Quand on travaille sur les couleurs, maintenant, vous pouvez jouer sur la transparence de la grosse zone qui est sous la courbe. Voilà, ça, c'est la nouveauté que nous propose Microsoft. Vous pouvez choisir tous les niveaux de transparence, du plein jusqu'à quasiment inexistant. Les rapports en histogramme, eux, leur nouveauté, c'est assez simple aussi. C'est que je ne vous dise pas, c'est dans et des zones de traçage, je crois. Non, ce n'est pas les zones de traçage. Attendez, je crois qu'il ne m'a pas changé le. Si. Alors j'ai oublié. Je ne sais plus où je l'ai mis. Voilà, c'est ici. C'est les remplissages internes. C'est la possibilité de que les barres des histogrammes. En fait, c'est plutôt, on devrait dire plutôt des graphiques à barres, parce que l'histogramme, c'est autre chose. Les graphiques à barres, vous voyez, on puisse jouer sur la largeur qui sépare chacune des barres, soit plein, soit beaucoup plus des barres plus étroites et laissant plus de marge autour. Voilà, ça c'était l'autre modification. Et je vous ai parlé aussi des modifications sur les petits multiples. Deux modifications aujourd'hui. Alors, c'est ce qu'on appelle le mode réactif. Alors pour l'instant, on ne voit rien. Si je réduis plus ou moins, il ne se passe pas grand-chose. Et c'est à partir de là, quand je vais arriver ici, ils vont commencer à supprimer. Vous voyez, ils ont supprimé par exemple les titres dans la marge. Et ainsi de suite, jusqu'à supprimer le maximum de choses pour que l'on puisse voir toujours quelque chose le plus tard possible. Honnêtement, c'est pas si transcendantal que ça, cette partie-là. Tous les autres composants étaient réactifs, il fallait que celui-là le soit aussi, hein. Donc, la possibilité qu'à chaque fois qu'on réduise, il s'ajuste en fonction de l'écran pour essayer d'en mettre un maximum sur les petits écrans. La deuxième modification, je vais vous la montrer là. Ici, vous voyez les fonds des écrans. Le fond peut changer en fonction d'un critère plus ou moins important. Et ça se passe, j'ai encore perdu. Couleur des données, disposition de la grille, je crois. Oui, couleur d'arrière-plan, ce petit FX. Vous avez la possibilité, là, j'ai cliqué, ça va apparaître. Voilà. Ici, on a la représentation d'une valeur. Ici, j'ai pris unit price dans ma base, où on peut afficher l'arrière-plan d'un bleu très pâle à un bleu un peu plus soutenu. Voilà les deux nouveautés pour les petits multiples. Vous avez remarqué, mais comme moi, mais je trouvais que cette mise à jour était un peu disparate. Microsoft nous propose aussi dans le module de questions-réponses intégré à Power BI une petite amélioration. Il vous dit, quand il y a une ambiguïté, si vous dites par exemple le top des produits, et ben il vous dit ben voilà, comme tu n'as pas précisé de quel niveau de top
tu veux, ben, je me prends par défaut un top 10. Ou quand il y a une ambiguïté sur certains termes, comme, je sais pas, un champ qui s'appellerait nom, classe-moi les noms par année, il fera le choix lui-même de vous afficher un nom et il vous dira lequel il a choisi. À vous éventuellement de changer la requête, le texte des questions-réponses en langage naturel pour vous dire quel est exactement le champ qui vous intéressait en particulier. Maintenant, pour ceux qui utilisent notamment Azure Analyst Services, AAS, ou qui se connectent aux sources de données de type Power BI en direct query uniquement, il faut savoir que maintenant, les formatages des chaînes, les formats des chaînes d'affichage sont conservés, ce qui était plutôt gênant avant de ne pas pouvoir le faire. Maintenant, d'autres petites nouveautés, toujours dans Power BI. On a une nouveauté qui s'appelait les requêtes M en dynamique, qui était en pré-version. Donc, ils continuent à l'améliorer en attendant qu'on ait la version en livraison définitive. On a la possibilité, quand on fait du filtrage par paramètres des requêtes dynamiques, de pouvoir avoir un mode, alors c'est assez complexe, d'avoir un mode sélectionner tout, toutes les valeurs. Je regardais rapidement, ça m'avait l'air un peu complexe quand même pour le faire. Bon, à voir comment ça va se passer. Pour ceux qui aiment bien gratter sur le capot, avec la mise à jour de Power BI, maintenant vient un add-on dans Windows qui s'appelle le Edge Web View 2, qui viendra remplacer le Safe Sharp. Alors, en fait, qu'est-ce que ça veut dire? C'est que Power BI, je ne sais pas si vous savez, mais Power BI est développé, notamment Power BI Desktop, est développé avec un composant qui s'appelle Electron, qui a été développé par GitHub, qui permet de développer à partir de code en JavaScript, pour faire simple, des applications en plein écran, en mode fenêtré. Alors que c'est normalement le JavaScript, il est plutôt destiné aux pages web. Là, il s'agit d'avoir une application à part entière. Alors, faut savoir qu'Electron, il est utilisé chez Microsoft par plein de produits. On va citer par exemple Teams, qui est aussi sur Electron. Je peux aussi vous dire que Visual Studio Code est développé sur Electron. Et puis, celui qui est issu de Visual Studio Code, il y a aussi Azure Data Studio, qui aussi en électron. Microsoft s'est rendu compte que cet électron n'était pas très très rapide et qu'il pouvait l'améliorer. Et donc, ils sont en train de travailler sur pas mal de modifications. Et vous pouvez voir à droite à gauche que notamment l'équipe Teams a fait un grand article pour dire qu'ils allaient abandonner Electron pour passer dans ce fameux Edge Web View 2. Donc voilà, donc normalement, on peut s'attendre à ce que dans les mois qui viennent, Microsoft commence à migrer son Power BI Desktop et son Power BI plus général sur notamment du mode React, le framework JavaScript React et en utilisant le WebView 2. Voilà, ça c'est un petit aparté technique. Tout à l'heure, je vous ai parlé des rapports paginés. Et ben forcément, Microsoft en a profité aussi pour mettre à jour son composant qui s'appelle générateur de rapports Power BI. Alors, pour vous expliquer ce que c'est que ce générateur, c'est tout simplement le pendant de Power BI Desktop. Si Power BI Desktop fait des rapports interactifs, et ben le générateur de rapports Power BI, qu'on appelle aussi le report Builder en anglais, a été mis à jour et c'est lui qui permet de créer des rapports paginés. Et enfin, pour ceux qui utilisent, je ne sais pas s'il y en a, qui utilisent le Webpart SharePoint pour afficher les composants Power BI Service, et ben maintenant vous avez la possibilité de choisir d'afficher la fameuse barre d'outils en haut qui accompagne pour améliorer un petit peu l'affichage. Donc voilà. Donc, ce composant Webpart dans SharePoint a évolué dans le bon sens. Voilà. Si vous n'avez pas d'autres questions, je ne sais pas s'il y a des questions. Tu as vu des questions dans le chat, David?
Non, pas de question, mais une réaction de Didier qui Oui. disait au niveau des rapports paginés, OK, il semble quand même combler un gros manque de Power BI. Imprimé au-delà de l'écran, j'imagine que ce visuel va combler ce manque. Alors, c'est pas nouveau, hein. Les rapports paginés, ça fait au moins, je dirais, au moins 1 an et demi, 2 ans que ça existe. C'est un bricolage, entre guillemets, si vous me permettez, hein, c'est un peu mon idée, c'est qu'ils ont essayé de faire rentrer ça au chausse-pied, le parti SACRS à coup de chausse-pied, pour y arriver, puisqu'ils avaient déjà une offre de rapport paginé qui s'appelait SACRS, donc ils l'ont fait rentrer dans Power BI. Mais c'est vrai que vous ne le voyez pas si vous n'êtes pas en premium ou premium pour per user. Hein. Donc, il faut le savoir, ce n'est pas disponible dans l'offre globale. Ça s'explique, c'est que le rendu des rapports paginés nécessite une charge de processeur, mémoire, etc. Et que Microsoft ne veut pas mettre à plat son standard, en fait, ce qu'il offre dans le cas du Power BI Pro, et qu'il préfère que ce soit à la charge d'un serveur à votre charge, donc à travers notamment le Power BI Premium. Donc voilà, ça explique cela. Donc sachez que c'est pas nouveau, hein. Donc si vous vouliez le faire, bon. Mais moyennant la licence premium ou premium per user, pour en profiter. Ouais, ou éventuellement en utilisant le service sur Azure. Oui, alors pareil, il n'y a pas de service PaaS, il faut aller en IaaS. Et donc installer une VM et installer depuis la galette, depuis l'installation d'SQL Server, le composant qui s'appelle. Non, même pas, excusez-moi, il est plus sur le CD. Il est téléchargeable indépendamment. Ou si vous voulez aussi l'avoir. Il y a une autre façon aussi d'avoir les rapports paginés, c'est d'avoir le Power BI Report Server. Vous savez, le Power BI. Que Microsoft ne fait pas vraiment la promotion parce que, et puis surtout, ils ont dégradé les performances. Mais c'est une façon d'avoir un Power BI service, mais dans son infrastructure on-premise chez soi, dans ses locaux. On peut faire aussi du paginé. Voilà. Très bien. Je pense qu'il n'y a pas d'autres questions. Non, il n'y avait pas d'autres questions sur le chat. Alors, ok. Alors, de quoi on, alors, je sais quoi la slide suivante? Je crois que c'est encore à moi. Voilà. Ah oui. Alors, cette session, on peut l'appeler aussi Est-ce que Power BI est le killer d'Excel? Est-ce que Excel va prendre bientôt sa retraite? Ah, pardon, ça a changé. Alors, moi, je me suis amusé déjà à sortir quelques cadavres du placard. Et le premier tableur que j'ai retrouvé, en fait, il date de 79, il s'appelait Visical. C'est un étudiant à l'université qui a trouvé que. Il en avait marre de recalculer ça et de tout faire, ou d'aller chercher des spécialistes qui développaient en ligne sur des gros mainframes des choses, ou qu'à chaque fois qu'il voulait faire quelque chose, il fallait faire soi-même son propre code, en Visual Basic par exemple, puisque Basic à l'époque était quand même sur la micro-ordinateur, était très courant. Donc, le premier tableur qui existait était sur l'Apple II, donc on parle de l'époque où les premiers micro-ordinateurs arrivaient. Donc en 1979, et déjà la définition de Visical, c'était d'avoir la possibilité d'avoir une feuille avec un tableau, pardon, avec des cellules, et dans ces cellules, on pouvait rentrer soit du texte, soit des valeurs, soit des formules, ce qui est quand même toujours la logique de notre Excel aujourd'hui. Ensuite, Microsoft a sorti son multiplan pour l'ancêtre du DOS qui s'appelait le CPM, qui était aussi très développé pour. Ah non, c'était du basique. J'ai dit Visual Basic, Étienne? Pardon, excusez-moi. Oui, le basique. Visual Basic interviendra beaucoup, beaucoup plus tard. Oui. Donc, Multiplan sur CPM, qui était l'ancêtre du MS-DOS. Donc, on est en 1982. Et j'ai retrouvé Multiplan utilisait 64 colonnes pour 256 lignes, pardon. J'ai une inversion de chiffres. 256 lignes. Autant vous dire que c'est tout petit, hein. Rapporté à ce que nous propose Excel aujourd'hui, on peut dépasser le million de lignes. Toujours dans les concurrents d'Excel et qui ont vu le jour avant, ben on avait Lotus 1, 2, 3, qui lui tournait sur MS-DOS. Et ça nous ramène à 1983. Et Excel, qui était une réflexion de Microsoft de faire. De porter Multiplan et de casser un peu les concurrents qui étaient Visical et Lotus 1, 2, 3, avaient proposé à sortir, non pas sur Windows, mais sur Macintosh, en 1985, son premier Excel. Et pour la petite histoire, j'ai retrouvé
un site qui reprenait tous les logos d'Excel en fonction du temps. Je dois vous reconnaître que je ne connaissais pas Excel 1. Effectivement, j'ai connu celui de 1990 et de 95, mais voilà. Donc la session aujourd'hui, c'est est-ce que Excel, qui fête ses 36 ans, si je ne me trompe pas, est prêt pour la retraite ou pas? Voilà, je te laisse la main pour présenter les premières fonctions d'Excel qu'on va détailler aujourd'hui, toujours en lien, et tout ce qu'on va présenter est en lien direct avec Power BI. D'accord, très bien. Alors, je vais reprendre l'écran. OK. Voilà, j'ai partagé mon écran. Vous le voyez bien? Oui, c'est bon. OK, parfait. Donc, dans cette session aujourd'hui dédiée à Excel et l'intégration de Power BI dans Excel, on va voir comment est-ce qu'on peut récupérer des jeux de données qui ont été générés donc dans Power BI et pouvoir poursuivre une analyse dans Excel. Il y a, on va dire, deux approches possibles. L'une, c'est de démarrer de Power BI Service et d'aller télécharger un composant. Enfin, de mettre à jour en fait les librairies d'Excel, c'est ce qu'explique donc le message sur le site, c'est de mettre à jour les librairies d'Excel qui permettent de faire une connexion avec un jeu de données. C'est tout simplement un fournisseur d'accès OLEDB qui permet d'interroger directement le jeu de données stocké sur les serveurs de Power BI Service et de pouvoir manipuler ces données dans Excel. Donc, une première étape, aller sur le site internet de Power BI, télécharger donc les librairies de mise à jour d'Excel. Et ensuite, la deuxième étape, c'est de télécharger le fichier Excel qui va comprendre la connexion au jeu de données, du jeu de données spécifique que vous souhaitez, et ensuite de faire son analyse. Donc, toujours sous forme de tableau croisé dynamique. On a aussi d'autres moyens d'y accéder. On peut le faire directement depuis Excel et notamment dans les dernières versions d'Excel. Moi, en tout cas, j'ai pu faire la connexion avec un jeu de données sans avoir besoin de mettre à jour la librairie des composants d'Excel. Donc, je pense que ça fait déjà partie des librairies mises à jour. Toutefois, on verra que la possibilité de se connecter à un jeu de données peut se faire depuis les versions 2010. Donc, je suppose que sur des versions plus anciennes, vous aurez forcément besoin de télécharger cette mise à jour des librairies pour pouvoir faire une connexion avec Microsoft Office 365, Excel de 365. Vous allez pouvoir cliquer sur Pivot Table ou en tout cas tableau croisé dynamique dans le menu Insérer et vous allez avoir la possibilité de créer un tableau croisé dynamique et de choisir une source Power BI. Et donc, ça s'affiche, comme on le voit sur l'écran, depuis Power BI, avec entre parenthèses le nom du tenant. Et donc là, ça établit une connexion auprès du service. Et vous avez un panneau sur la droite qui va s'ouvrir et qui va donc lister les différents jeux de données qui sont disponibles. Et alors, dans cette capture écran, on ne voit pas l'endorsement qui était mis en place, parce qu'il n'y en a pas eu. Mais si vous avez attribué un label donc, aux différents jeux de données, il sera visible et ils vont être affichés en premier dans cette liste. Donc, ça permettra de mettre en valeur ceux qui ont été labellisés par l'entreprise, en tout cas. Et donc, vous pouvez choisir au sein de cette liste le jeu de données auprès duquel vous voulez faire votre connexion. Et vous pouvez éventuellement rechercher le jeu de données. Également, on peut faire cette même connexion depuis l'onglet Données et en allant dans Obtenir des données.
et de choisir Power BI. Mais le processus est le même, hein, c'est présent à deux endroits différents, mais en fait, la démarche, enfin, le résultat sera exactement le même. Hein, ça va ouvrir le même panneau sur la droite et donc lister les différents jeux de données qui sont disponibles pour faire votre analyse. Quand vous êtes sur le service de Power BI, donc après avoir installé la mise à jour des librairies d'Excel, il faut choisir encore de quel jeu de données vous voulez faire votre analyse. Donc, vous allez sur la liste des jeux de données dans votre espace particulier, ou un espace en tout cas partagé, et vous allez pouvoir faire un clic droit, ou enfin un clic tout simplement sur les trois petits points, l'ellipsis. Et choisir dans le menu contextuel Analyze in Excel ou analyser dans Excel. Ça peut se faire sur des jeux de données, également sur des rapports. On a la même chose, que ce soit un jeu de données ou un rapport. Sachant que si vous le faites sur un rapport, derrière le rapport, il y a un jeu de données et la connexion se fait sur le jeu de données. Vous n'aurez pas trop Enfin, du rapport en lui-même, il n'y a rien de particulier qui va venir s'importer dans Excel. Ça va toujours venir chercher les données dans le jeu de données directement. Donc, en tout cas, on peut faire un clic sur l'ellipsis en face du jeu de données que l'on souhaite analyser, choisir Analyze in Excel, et là, vous aurez le téléchargement d'un fichier Excel qui va contenir la connexion en ODBC vers le jeu de données. Donc, c'est une connexion direct, il n'y a pas d'import de données dans Excel. Il faut garder toujours un accès à Internet et vous pouvez rafraîchir et importer les nouvelles données de ce jeu de données également. Alors, on fera une petite démo après, mais je vais d'abord vous dire un peu qu'est-ce qu'il est bon à savoir avec cette connexion. Comme je le disais tout à l'heure, ça existe depuis Excel 2010 SP1. Et donc, si vous avez des versions à partir de 2010, on va dire jusqu'à 2016, il vous faudra certainement télécharger cette mise à jour des librairies d'Excel pour avoir le fournisseur d'accès directement donc, au service de Power BI et établir la connexion avec votre jeu de données. Moi, comme j'ai Office 365 avec les dernières mises à jour, j'ai pas eu besoin de télécharger ce fournisseur d'accès et la liaison à la connexion s'est fait sans problème. C'est une connexion directe en ligne avec le jeu de données dans le service. Ça n'importe pas les données, vous n'importez pas non plus le modèle dans Excel, on le verra tout à l'heure quand on va regarder. Vous établissez juste une connexion, hein, donc vous n'avez pas de visibilité sur le modèle, vous n'avez pas de visibilité sur la syntaxe des mesures en DAX, tout ça, ça reste sur le service. D'ailleurs, c'est la même chose que si vous faisiez une connexion au départ de Power BI vers un jeu de données hébergé sur le service, vous faites une connexion, vous n'importez pas le modèle, ni les données, ni rien du tout. Il faut des mesures explicites, ça c'est obligatoire, parce qu'on verra qu'on ne peut pas utiliser les champs, que ce soit des champs numériques ou des champs de texte, pour les insérer au niveau de la zone des valeurs de votre tableau cross dynamique, ça ne va pas créer de mesure. Enfin, ça ne va pas créer de mesure automatique, on va dire. Donc, il faut vraiment créer des mesures, ce qu'on appelle des mesures explicites, qu'on doit créer donc en langage DAX, pour pouvoir utiliser le jeu de données avec un tableau cross dynamique. Ensuite, les hiérarchies sont préservées en mode import uniquement, c'est-à-dire que si vous avez un jeu de données que vous avez créé en mode direct query, dont toutes les requêtes se font vers le serveur, sur le serveur même, et vous n'avez pas d'import de jeu de données ou d'import de données en tout cas dans votre Power BI, alors, lorsque vous avez une connexion en mode direct query et que vous établissez une connexion dans Excel de ce jeu de données, ça va aller directement interroger le serveur. Ça ne va pas passer par le service de Power BI, mais ça va aller directement interroger les données sur le serveur directement. Si vous avez créé des hiérarchies
dans votre modèle de Power BI, elles ne vont pas être importées dans Excel. Vous allez perdre cet avantage de hiérarchie. D'accord? Donc, hiérarchies sont préservées uniquement en mode import. Pour l'instant, ça fonctionne que sur Windows. Ça ne fonctionne pas encore sur Mac. Donc, vous n'aurez pas la possibilité d'établir de connexion si vous êtes sur Mac. Et pour l'instant, ce n'est pas encore disponible sur le web, mais c'est en prévision de venir sur le web également. Le niveau de sécurité est respecté. Donc, en principe, vous devez être connecté dans votre Excel, dans votre classeur Excel, enfin dans votre application Excel, vous devez être connecté avec vos identifiants du tenant. Et donc, grâce à ces identifiants du tenant, le niveau de sécurité des données est respecté même dans Excel. Donc, si vous avez droit de visibilité que sur un certain nombre de données, vous n'aurez accès qu'à ces données-là dans Excel. Ensuite, l'utilisateur doit avoir une licence Power BI Pro, puisque vous interrogez un jeu de données Power BI. Donc là aussi, il vous faut une licence Power BI pour pouvoir interroger ce jeu de données et manipuler ces données, même dans Excel. Vous pouvez partager ce classeur Excel au sein de l'organisation, et donc la connexion qui est établie sur ce serveur Power BI. Et bien sûr, il faut que tous les utilisateurs, encore une fois, aient bien une licence Power BI, parce que sinon, ça ne fonctionnerait pas. Et donc, comme je le disais tout à l'heure, ce sera bientôt disponible sur Excel, sur le web également. Ça devrait venir bientôt, sachant que Excel sur le web évolue beaucoup. Il y a beaucoup, beaucoup de mises à jour qui sont mises en place pour faire évoluer cet outil, qui est très apprécié et beaucoup utilisé également. Alors, on va revenir à ça dans un instant. Je vais d'abord faire une petite présentation. Alors, je vais arrêter le partage et repartager mon écran avec Excel. Et puis, on va voir un petit peu comment on intègre ces données. Alors, hop. Alors, je vais partager mon écran complet. Voilà, j'ai repartagé mon écran. Ça se voit bien? Oui, c'est Oui, bon. c'est bon. Très bien. Alors, je vais repartir un petit peu sur Power BI Service tout d'abord. Et en haut à droite, au niveau de l'ellipsis, juste à côté de votre profil, de votre photo de profil, vous pouvez donc cliquer sur cette ellipsis et puis aller dans Téléchargement. Et là, vous verrez que vous pouvez télécharger Analyze in Excel Update. Et notamment, ça va vous dire que, voilà, avec cette add-on, vous allez pouvoir mettre à jour la librairie d'Excel et donc permettre la connexion. Alors, je ne vais pas le faire parce que moi, ça fonctionne déjà très bien. Ensuite, il faut que vous alliez sur la liste des rapports Power BI que vous avez sur votre espace de travail. Et donc, que ce soit un rapport ou que ce soit un jeu de données, j'en ai pas ici. On va plutôt aller vers espace de travail qu'on voit. Où est-ce que j'ai ça? Ouais, OK. Voilà, ici on a un jeu de données et un rapport. On peut voir que quand on clique sur l'ellipsis, que ce soit un rapport, on peut cliquer sur Analyze in Excel, ou alors si c'est un jeu de données, on aura la même option. Sachant que comme je disais auparavant, si on fait un clic un clic sur l'ellipsis et qu'ensuite on va cliquer sur Analyze in Excel, ça va en fait aller rechercher les données sur le jeu de données sous-jacent de ce rapport. Et donc là, quand on clique dessus, on a un fichier Excel qui va se télécharger et donc nous donner une connexion vers ce jeu de données sur le service. Voilà, donc par défaut, on a
l'emplacement du tableau croisé dynamique qui a été créé. On va pouvoir autoriser le content, les contenus et tout ça. Ensuite, sur la droite, on aura accès à notre modèle de données. Et donc là, on aura toutes les mesures et tous les champs qui seront disponibles qu'on va pouvoir mettre en place dans pour faire notre tableau croisé dynamique. Ça, c'est une façon de faire. Donc, on peut partir du service Power BI, donc accéder à l'espace de travail, télécharger un fichier qui établit la connexion. Si vous aviez l'habitude de faire ça auparavant, vous aurez peut-être remarqué que avant, ce qui était téléchargé était un fichier ODC avec l'extension ODC, qui est un fichier de connexion ODBC, et que quand on double-clique sur ce fichier ODC, ça ouvre dans Excel. Maintenant, ça a été mis à jour et ça télécharge directement un fichier Excel qui établit la connexion. On va voir la deuxième méthode qui est de le faire directement depuis Excel. Et donc, notamment, encore une fois, vous pourrez le faire depuis Excel si vous avez les dernières versions de Excel, notamment 365 avec les dernières mises à jour qui intègrent ça dans le menu. On va le faire depuis ici directement. On peut aller donc dans le menu Insérer, Tableau croisé dynamique, et là vous avez donc deux options. Auparavant, sur les autres versions, on n'avait pas de sous-menu dans Tableau croisé dynamique. On pouvait juste cliquer et créer un tableau croisé dynamique. Maintenant, on a la possibilité d'accéder à un sous-menu où on a soit de créer un tableau croisé dynamique, soit de le faire depuis un jeu de données Power BI. Ça ouvre sur la droite le panneau qui va lister tous les jeux de données Power BI hébergés sur le service. Si vous n'êtes pas connecté à votre compte, vous aurez certainement un message de demande de connexion vers votre compte. Là, dans ce cas, en tout cas, mon application Excel est connectée à mon compte vers lequel j'ai également un accès à Power BI. J'ai une licence pro également, donc ça me donne accès à tous les jeux auxquels j'ai le droit. Là aussi, le niveau de sécurité est respecté, donc je ne peux accéder qu'aux jeux de données auxquels j'ai accès, soit en tant que créateur, soit en tant que membre d'un espace, soit en tant que collaborateur ou autre. Donc, on peut choisir le jeu, je peux cliquer dessus, et donc là, la connexion va s'établir, et on va avoir un tableau croisé dynamique qui va être créé, enfin l'emplacement du tableau croisé dynamique avec la liste de tous les champs disponibles. On peut voir la connexion qui a été établie. Si on va dans le menu Données, on peut cliquer sur Requêtes et connexions. Et là, on peut voir les connexions qui ont été établies auprès de Power BI Service. Et si on double-clique dessus, voilà, si on double-clique dessus, on obtient donc la fenêtre des propriétés de cette connexion. Si on le souhaite, on peut éventuellement mettre un commentaire ici. S'afficher juste en dessous du nom de cette requête, de cette connexion. Donc, ça peut être un complément d'information qui peut être utile. Et si on le souhaite, on peut également changer ici donc le nom de cette connexion également pour la rendre un peu plus intelligible et mieux comprise. Si on le souhaite, on peut également automatiser le rafraîchissement, l'actualisation de ce jeu de données. Donc l'actualisation toutes les heures ou moins, on peut modifier le nombre de minutes auxquelles on veut faire l'actualisation. Ce qui peut être utile, c'est de faire une actualisation des données à chaque fois que le fichier est ouvert pour intégrer les dernières données. Et puis ensuite, bon, là, il n'y a pas grand-chose à faire, on ne va pas modifier la connexion, mais par curiosité, vous pouvez vous intéresser un petit peu à la connexion qui est établie avec le service. Voilà, c'est une connexion MS OLAP directement avec le service de Power BI. Donc, voilà. Et en plus, c'est une connexion qui est établie en langage MDX, dont on parlera un petit peu tout à l'heure également.
Voilà. Et puis là, si vous avez plusieurs jeux de données intégrés et plusieurs tableaux quasi-dynamiques dans votre classeur à différents endroits des feuilles, vous allez pouvoir retrouver la liste de toutes les connexions qui sont établies à partir de ce jeu de données. Donc, si je crée un autre tableau quasi-dynamique au départ de ce jeu de données, je vais pouvoir les voir listés ici, savoir sur quelle page et dans quelle zone de cette feuille. Et puis, donc, si je clique dessus, ça va m'amener directement à l'endroit qu'il faut. Donc, voilà, ça peut être très utile de voir cette fenêtre des propriétés. Voilà, maintenant qu'on a fermé la fenêtre de dialogue, on a le commentaire qui s'est inséré juste en dessous, donc qui permet d'avoir un complément d'information sur le type de jeu de données que l'on a et ce que ça représente. Et juste à droite, on a également la possibilité d'actualiser ce jeu de données, où on peut le faire également depuis le menu Données, ici dans rafraîchir, enfin actualiser tout, en tout cas. Voilà. Et on peut accéder à la fenêtre des propriétés en cliquant sur le bouton Propriétés également. Voilà. On va, hop, et sur la droite, donc on a la possibilité de naviguer entre les différents panneaux. Donc on va retourner sur le panneau des tableaux croisés dynamiques, où on a la liste de tous les champs. Je disais auparavant que les hiérarchies sont préservées donc lorsque l'on est en mode import. Et donc là, on voit ici, bon, on a une connexion import de données dans le jeu de données de Power BI. Donc la hiérarchie qui a été créée pour les dates, année, trimestre, mois et jour a été préservée ici. Donc on peut y accéder, on peut l'utiliser pour construire notre tableau de croisée dynamique. D'ailleurs, je vais l'utiliser, je vais le placer sur les colonnes et puis je vais mettre les manufactures, les producteurs au niveau des lignes et on va les mettre dans le champ. Tiens, on va essayer de mettre un champ au hasard ici. On va essayer de le placer au niveau des valeurs et on voit qu'on ne peut pas le faire. Dans Power BI, on peut faire ça, on peut prendre n'importe quel champ, que ce soit un champ de texte ou un champ numérique, et le placer au niveau des valeurs, et automatiquement, Power BI va générer une mesure automatique. Et dans un tableau croisé dynamique classique, avec un jeu de données créé dans Excel, on pourrait également faire ça. Créer une mesure sur la volée automatique. Mais là, en l'occurrence, lorsqu'on a une connexion établie à un jeu de données Power BI, on ne peut pas faire ça. Donc, ce que je disais auparavant, c'est qu'il faut impérativement créer ces mesures soi-même, ce qu'on appelle des mesures explicites, que l'on va créer donc avec le langage DAX. Donc, on ne peut pas faire ça. Je pourrais le placer éventuellement au niveau des colonnes, des lignes et des filtres également. Donc, les mesures explicites sont stockées dans des tables dont on voit le signe sigma qui permet d'identifier ces mesures explicites. Ces mesures sont également sont classées par l'identifiant de la table de laquelle elles viennent. Ici, on a deux fois la table produit. On a produit pour les attributs de cette table et on a produit pour les valeurs calculées, donc les mesures, des champs que l'on peut clairement utiliser au niveau des valeurs. Donc, on a aussi Sales Fact, où on a donc toutes les mesures et on a, ben là en l'occurrence, on n'a pas en tant qu'attribut parce que c'est uniquement des mesures que l'on a dedans, mais sentiments, on l'a qu'une fois aussi, donc on n'a que des mesures dans cette table. Donc la seule table qui a des attributs et des mesures, c'est produit qui est présent deux fois. Et donc on peut voir la différence au niveau de l'icône de ces tables qui identifie clairement les mesures des attributs. Ici, on va prendre alors peut-être les ventes. Voilà. Et là, on voit que mon tableau de croisée dynamique s'est mis à jour pour refléter les informations que j'ai mises dans les différentes zones de mon tableau de croisée dynamique. Le formatage est conservé également, hein. Il y a un formatage spécifique, là en tout cas, c'est du monétaire avec une séparation en milliers qui
qui est conservée au niveau du jeu de données. Alors, je vais voir si on a d'autres champs qu'on peut utiliser. Qu'est-ce qu'on a là-dedans? Ok, rien d'intéressant, bien sûr, là. Total units. Ok. Alors, ce que je voulais essayer de démontrer, c'est que quand on a des mesures qui... là j'arrive pas... Hop. Non, j'ai pas trouvé. Quelquefois, quand on glisse une mesure au niveau des valeurs, on a la même valeur tout au long du tableau grossier dynamique, que ce soit au niveau horizontal que vertical. Et donc, on peut se rendre compte qu'il y a quelque chose qui est incohérent au niveau du résultat. C'est parce qu'effectivement, il y a une mesure qui n'a pas de relation particulière avec les champs que l'on affiche dans le tableau croisé dynamique. Et donc, quand on a un jeu de données comme ça, on n'est pas forcément au courant de la relation qui existe entre ces tables. Et si on veut voir les relations qu'il y a, alors, est-ce qu'on peut fermer ça? On aurait tendance à aller peut-être dans Power Pivot dans Excel. C'est là où on verrait donc éventuellement notre modélisation du jeu de données. Là, en l'occurrence, on n'a rien. On n'a pas accès au jeu de données. On ne peut pas voir les relations qui ont été créées entre les tables. Et c'est normal puisque, encore une fois, on n'établit qu'une seule connexion, on n'importe rien, on n'apporte aucune donnée, on n'apporte pas le modèle et on n'apporte pas les relations qui ont été établies. On ne peut pas donc les modifier et on ne peut pas enrichir non plus notre modèle depuis Excel. Toutefois, ce que l'on peut faire, c'est lister les champs disponibles sur une table en particulier. Donc, dans le menu au-dessus, dans le menu déroulant, on va pouvoir choisir. Par exemple, la table produit, et en plus de la table produit, on a les autres tables qui sont associées au produit également. Donc, on a fait un filtre sur produit, donc on a la fiche produit et les mesures calculées produit, mais on a également une autre table qui est la table des producteurs qui est associée au produit. Donc, les tables reliées sont affichées également. Donc ça permet de savoir que si on veut faire une étude sur les produits, on peut accéder aussi aux tables reliées et notamment les producteurs. Si je vais sur SalesFact, j'aurai toutes les tables qui sont associées à cette table initiale. Donc ici, on a une table de mesure et on a les tables qui sont reliées qui permettent de faire une analyse sur les mesures explicites de cette table. Et donc, ça vous permet de lister toutes les tables liées. Vous n'êtes pas obligé de connaître spécifiquement le modèle, mais vous pouvez juste choisir une table en particulier et vous aurez toutes les liaisons associées. Voilà. Qu'est-ce que je voulais montrer d'autre aussi avec ça? Alors, on parlait d'enrichir le jeu de données. On ne peut pas effectivement créer d'autres mesures complémentaires de type DAX, en tout cas, depuis Excel. Il faudrait retourner sur le jeu de données Power BI et faire ces modifications dans Power BI. Toutefois, ce que vous pouvez faire ici au niveau d'Excel avec ce jeu de données, c'est essayer de l'enrichir. On va regarder, hop là, voilà, au niveau du menu tableau croisé dynamique analyse, vous avez dans le groupe calculation le menu OLAP Tools qui vous permet d'ajouter des mesures calculées de type MDX. Alors, Philippe expliquera plus là-dessus. Moi, je ne suis pas très, très à jour avec MDX. Sachant qu'il y a très peu de documentation là-dessus et ça s'utilise moins, en tout cas au niveau des utilisateurs. Il y a toujours pas mal de développement qui se fait au niveau d'MDX et bon, Philippe en a parlé auparavant qu'il y a une amélioration de la connexion en langage MDX pour les jeux de données. J'en ai pas encore parlé.
Ah, pardon, on n'a pas encore parlé. Bon, on va en parler alors. Mais voilà, la possibilité en tout cas d'enrichir le jeu de données avec des mesures calculées en langage MDX. Alors, je n'irai pas plus loin parce que là, je m'y perdrais un peu. Mais voilà, on a possibilité de créer des mesures là-dedans. OK. Sinon, dans un tableau croisé dynamique classique, on va dire, on a possibilité de créer des champs calculés qu'ici on ne peut pas le faire sur. En tout cas, ça n'a pas été. C'est pas actif. Donc, la seule possibilité que vous avez d'enrichir votre jeu de données éventuellement, c'est d'utiliser du langage MDX. Voilà, en créant vos formules. Sinon, le mieux, c'est de retourner. Ou de contacter tout simplement le créateur du rapport Power BI et de lui demander d'ajouter des mesures explicites en langage DAX. Ce sera beaucoup plus pratique. Et puis, dès que ces mesures ont été ajoutées, dès qu'il y a des informations nouvelles, des données nouvelles, il faudra aller dans le menu Données et tout simplement rafraîchir la connexion et d'importer. Enfin, d'actualiser cette connexion pour afficher les nouvelles données du jeu de données Power BI. Voilà. Je retourne sur notre présentation où on a un petit schéma qui explique. C'est un peu de technique hein, qui explique un petit peu effectivement le. Une architecture, enfin une architecture, des composants d'intelligence d'affaires, ou business intelligence. Et au départ, on avait Excel avec Power Pivot, avec Power View et Power Query. Alors, je ne vois pas Power Query dedans, mais c'est sur la base. Si tu veux, je reprends la main. Ouais, vas-y, vas-y, parce que tu seras plus à l'aise là-dessus, je pense. Oui, c'est des composants que je connais un peu mieux. Vas-y, Allez, je partage mon écran. Si vous vas-y. voyez, vous me le dites. Attends, je vais. Oui, c'est bon. C'est bon? Alors, en 2012, il y a eu des changements. Là, on parlait d'MDX, et il faut savoir que Excel, il est issu de son histoire, et on pouvait requêter des données qui existaient sur les cubes, sur le moteur SSAS, qui était multidimensionnel. En 2012, on voit apparaître deux moteurs SSAS. On conserve le multidim et on voit le tabulaire. Le tabulaire qui donnera plus tard Power BI, puisque c'est toujours lui qui est à la manœuvre dans Power BI. Quand vous démarrez Power BI Desktop, en fait, vous démarrez un service SSAS, on pourrait vous faire la démonstration. Il y a un SSAS qui démarre, et dans Power BI Service, et ben vous avez aussi ce même moteur qui est du modèle tabulaire. Donc globalement, qu'est-ce qui se passe? C'est que vous connaissez aujourd'hui tous qu'on peut étendre les données du modèle tabulaire avec du DAX. Historiquement, c'était le MDX. Et donc, les limitations qu'on connaît dans les tableaux croisés dynamiques d'Excel aujourd'hui, c'est lié à cette limitation que Excel a toujours et utilisera encore longtemps le MDX pour requêter les données du tabulaire. Parce qu'il s'est trouvé que si MDX utilisait le tabulaire, ben, on a eu des croisements entre les différences. C'est-à-dire que dans le multidimensionnel, on a pu attaquer du DAX et le tabulaire a pu être attaqué en langage MDX. Alors, le langage MDX, tout de suite, alors le DAX, je ne reviens pas dessus, vous le connaissez, le langage MDX est assez abscon, même pour les spécialistes SQL, parce qu'il ne faut surtout pas, même si on a les mêmes mots-clés qu'SQL Server, ou les requêtes SQL, on doit trouver les mêmes mots-clés que sont select, where ou from, mais ils n'ont pas du tout le même contexte, mais alors pas du tout. Oui, il y a Didier qui dit que le MDX, ça ne nous rajeunit pas. Pour vous donner juste une petite idée, MDX, c'est la fin des années 90 avec quelqu'un qui s'appelait Ralph Kimball, qui est vraiment le père de tout ce qui va être le multidimensionnel, les moteurs OLAP, etc. Donc, vous voyez que ce n'est pas tout à fait tout jeune. Mais globalement, j'ai posé la question à l'équipe Microsoft, pourquoi Excel conserverait le MDX et pas sur le DAX? Ben, en fait, c'est expliqué dans la slide suivante. Si je veux bien l'afficher, voilà, c'est que Microsoft a apporté, a intégré ce qui s'appelle le MDX Fusion dans le Analyst Services tabulaire,
qui correspond aussi bien au jeu de données Power BI que au modèle tabulaire. L'idée, c'est d'optimiser largement les performances pour que Power BI, pour rester sur Power BI, que Power BI puisse recevoir des requêtes MDX. Et l'idée de MDX Fusion, c'était d'améliorer sensiblement les performances quand on attaque les jeux de données Power BI à travers ce modèle tabulaire, avec des performances améliorées. Donc aujourd'hui, ils estiment qu'ils n'ont pas besoin de réécrire Excel et conserver le MDX. Voilà, donc toutes les limitations qu'on a vues, que vous verrez quand vous utilisez les tableaux croisés dynamiques ou les graphiques croisés dynamiques dans Excel attaquant Power BI, ben, ce sera lié à cette logique MDX qui impacte un certain nombre de choses, notamment cette séparation, comme vous l'a montré David, cette séparation qu'il y a entre d'un côté les mesures, et de l'autre côté, les attributs. C'est aussi l'obligation que si on veut enrichir le modèle localement, ben d'utiliser de créer des mesures au sens MDX. Autant vous dire qu'effectivement, c'est un langage assez abscon. Autant le DAX est un langage qui est plus accessible, autant le MDX ne l'est pas. Voilà, ça c'était pour répondre aux aspects techniques pour ceux qui voulaient, qui se posaient des questions. Maintenant, je vais toujours continuer avec Excel. Alors Didier nous pose la question, d'où vient ce modèle tabulaire en opposition d'un cube? Alors le modèle tabulaire, tout simplement, c'était que Microsoft, dans les années 2008, s'est posé la question, alors ça ne nous rajeunit pas, on est encore dans le cadavre de 2008 là, il fallait designer, pour faire du cube multidimensionnel, il fallait designer les entrepôts de données, en tout cas les sources de données sur lesquelles on attaquait, selon le schéma en étoile. Alors, je vous rappelle, le schéma en étoile, c'est ce schéma où au centre, on a les mesures et autour, on a les dimensions avec ces tables, avec ces attributs. Ce schéma en étoile, il était bien, mais il était contraignant. Et l'idée de Microsoft, c'est de dire, est-ce qu'on ne peut pas faire l'analyse directement sur la structure native des sources de données sur lesquelles on est, c'est-à-dire par exemple sur un ERP, avec toutes les tables telles qu'elles sont stockées, qui sont optimisées pour faire du traitement transactionnel par opposition au mot OLAP. On a le OLTP et l'OLAP qui sont en opposition. On a vu que Analyse Services était un moteur OLAP avec un A au milieu qui était analyse, par opposition au OLTP avec le T qui est le transactionnel, qui était le module dans lequel les applications fonctionnent pour faire la CRM, le RP, etc. Et donc le mot tabulaire, pour répondre à la question de Didier, c'est tout simplement le fait qu'on va taquer la source de données dans le mode natif, tel que sont plus près des données d'origine, qui sont des tables, donc table, tabulaire. Voilà. D'où vient ce mot tabulaire qu'on utilise dans Power BI maintenant, qui est donc de respecter. Alors, soyons clairs, vous aurez toujours de meilleures performances si vous arrivez à gérer vos données sous un schéma en étoile. C'est quand même ce qui génère les meilleures performances. Maintenant, rien ne vous interdit d'attaquer une source de données de n'importe quoi, une ERP, un gestionnaire de ce que vous voulez, une CRM, avec leurs données et d'utiliser Power BI pour se connecter en direct et voir de faire du direct query ou faire de l'import avec Power Query. Du direct query, c'est ce que j'ai dit. Excusez-moi, j'ai cru que ma langue allait fourcher. On va toujours s'intéresser à une autre façon d'accéder aux données. Et pour ça, je vais faire une petite digression avec ce que sont les types de données, qui est une nouveauté d'Excel qui a peut-être un an, je crois. Et je vais faire cette digression pour revenir plus facilement à notre port BI. Alors, je vais vous faire ça sous forme d'une démo. Qu'est-ce que sont les types de données? Donc, c'est cet écran-là, dans le menu Données d'Excel. Et on a deux types. On a les organisations. Pardon, on a trois choses. On a les organisations, mais si je clique dessus, il me dit qu'il n'y a rien et il n'y a pas de type de données, mais je l'écrirai tout à l'heure. On a par contre des données de type boursière ou de type géographique. Alors pour faire ma petite démonstration, alors je vais taper les sociétés, un petit tableau tout simple. Et on va s'intéresser à la cotation boursière de Microsoft. Alors, je ne sais pas si vous savez, mais Microsoft, c'est MSFT. Son abréviation de cotation boursière. Je vais faire mon petit tableau. Voilà. Et je vais dire que mon petit tableau, là, c'est des données de type données boursières. Hop, voilà. Et là, il me demande, il a bien reconnu MSFT pour Microsoft, mais il me demande sur quelle bourse je suis. On va dire qu'on est sur le Nasdaq.
Voilà. Et là, vous voyez, il a transformé mon MSFT par Microsoft Corporation avec un petit sigle. Et j'ai le petit symbole là que vous voyez qui permet d'ajouter des colonnes. Alors, je vais vous rajouter, par exemple, le nom officiel. Et dans ma liste, là, j'ai plusieurs choses. J'ai un nom officiel. Vous voyez, c'est le nom raccourci, là où j'avais un nom qui reprenait le MFFT. Qu'est-ce que je vais rajouter aussi? Je vais rajouter, alors excusez-moi, j'ai prévu, parce que je ne vais pas tout prendre, le code mnémotechnique, qui est le MSFT, qu'on va retrouver. Je vais prendre sa capitalisation boursière. Alors là, il faut agrandir, parce qu'aux dernières nouvelles, je ne sais pas si vous savez, mais Microsoft a dépassé les 2 000 milliards. Il lui a fallu plusieurs années pour atteindre le milliard et quelques mois pour atteindre les 2 000 milliards. Je vais prendre quoi d'autre encore? Le nom d'employé, tiens, ça peut être intéressant. Voilà, il y en a 160 000. Et l'adresse du siège social, si, je ne sais pas si vous savez, mais c'est à Seattle, dans l'État du Washington. À pas mélanger avec Washington DC, qui n'a rien à voir. Voilà, l'État de Washington, à Redmond, le siège social. J'ai d'autres éléments que je pourrais prendre, hein. Ça peut être aussi la plus haute cotation, hein, 280 dollars l'action. Alors, je vais en profiter. On va regarder un petit peu les autres. Je vais rajouter Apple. Ah, pourquoi est-ce qu'il ne veut pas me dire que... Voilà, si, Apple. Google. Alors, Google, c'est plus simple. Voilà. Amazon. Vous voyez, il me les trouve tous. Et puis, on va prendre quand même une société française. J'ai pris Total Energy, qui s'appelait avant Total. Et si vous regardez, alors ce qui est intéressant, c'est de regarder, hein, Apple est toujours en tête avec 2 milliards, bientôt 2 milliards et demi de capitalisation boursière, suivi de Alphabet. Alors pour ceux qui ne savent pas, c'est le nom du groupe qui possède entre autres Google. En fait, toutes les sociétés, on commence par une lettre, et dans les G, vous trouvez la société Google, le moteur de recherche. Amazon à 1,8 milliard. Vous voyez que ce sont toujours. Et nos petits champions là qui est Total, 77 millions de dollars. Et vous voyez bien que c'est du Total puisqu'il a son siège à Paris. Allez, ça c'était ce que je voulais vous montrer par rapport aux valeurs boursières. Maintenant, on va s'intéresser un petit peu aux données géographiques. Alors, je vais prendre l'un. Et je vais faire honneur à ma région qui m'accueille, au département qui m'accueille, le Bas-Rhin. On va faire un petit tableau de ça. Hop, ce petit tableau, et je vais dire que ça, ce sont des données de type géographique. Voilà. Vous voyez qu'il a dessiné un petit symbole devant, et ça veut dire qu'il a retrouvé. Et donc là, je vais pouvoir. Mais je vais en rajouter d'autres. Tiens, je vais prendre une région. Le Grand Est. On va voir comment ça se comporte. Un État américain, le Missouri, pour prendre celui-là. Et j'ai décidé aussi de prendre une ville au Canada. Et donc, toujours pareil, je peux, comme il les a reconnus, je peux rajouter une abréviation. Alors, vous voyez, certains ont des abréviations. Je peux lui dire le nom du pays associé. Voilà, trois France, pays, Canada et les États-Unis, dans le désordre. Je peux lui demander quelle est la plus grande ville. Alors, Schilticane, je suis désolé, mais ce n'est pas Schilticane la plus grande ville, mais c'est Strasbourg. Je ne sais pas. Dans le Grand Est, c'est Metz. Il me semblait que Strasbourg était plus grand. Bon. Et dans l'État de l'Ontario, alors pardon, c'était un État, c'était pas Toronto la plus grande ville, probablement. Je peux continuer comme ça. Alors, je peux lui demander la population, le taux de population de plus de 65 ans. Vous voyez que certaines sont remplies. Pourquoi pas les Blancs, 86. Dans le Missouri, sont 83% blancs. Ainsi de suite, ainsi de suite. Alors, je peux aussi trouver le nombre de permis de construire. De conduire, je ne sais plus. Bon, en fait, il y a des choses assez bizarres. Voilà, donc je pourrais continuer comme ça. Et je vais vous montrer, il y a un petit symbole là-haut que je ne vous ai pas montré. Si je clique dessus, vous voyez qu'il me met une carte où il reprend tout ce qui est disponible, avec une belle image, qui sont fournies par Bing, et ainsi de suite. Si je prends le département de l'Ain, il y a son petit symbole, là, avec une petite photo. Hein, c'est dans
La région Auvergne-Rhône-Alpes, Pays France, la population 638 000 habitants, etc. La plus grande ville, le canton de Yonnax-Sud. Je ne suis pas sûr que ce soit vraiment la bonne réponse. La superficie, si je prends la région Grand Est, vous voyez, il y a le logo, il me donne la population, plus de 5,5 millions de personnes, etc. Si je prends le Missouri, il va me trouver le drapeau, etc., que c'est dans le pays des États-Unis, etc. Ontario, vous voyez, donc c'est le nom Ontario, il y a son drapeau. Les dirigeants, j'ai même le nom du dirigeant, le Canada, donc j'ai plein d'informations. Et vous voyez que sur certaines, je retrouve aussi ces petites icônes et je peux afficher. Alors, pour ceux qui ne sauraient pas, hein, la plus grande ville de la France, c'est Paris. Son président, c'est un certain Emmanuel Macron qui va parler dans 15 minutes, je crois. Le PIB, etc., etc. Donc vous voyez, voilà ce que servent les types de données. Mais j'ai pris les deux qui étaient fournis. Il y a celui-là, organisation, il me dit que c'est lié à Power BI. Mais comment est-ce que c'est lié à Power BI? Ben, je vais vous montrer comment c'est fait. Je vais aller dans mon Power BI. Ici, j'ai prévu. Bon, ici, j'ai une petite source de données. C'est une petite base AdventureWorks toute basique. Et je vais vous montrer comment est-ce qu'on va le faire pour les rajouter dans Excel sous forme de type de données. Tout simplement, je vais prendre par exemple la table des clients et je vais dire que c'est activer l'option en choisissant bien la table. Attention, c'est la table et rien d'autre. Je vais dire que c'est une table proposée. À ce moment-là, il me donne un petit assistant. Je peux lui donner une description. Voilà. Et quelle est l'étiquette de ligne avec un nom unique et éventuellement la clé. Et ben voilà, donc dans ma table, c'est Company Name et Customer ID. Voilà, je l'enregistre et c'est fait. Je vais faire aussi avec les produits. Je vais faire pareil. Voilà, je valide ce que j'avais déjà préparé et je vais faire aussi avec mes lignes de facture. Vous verrez que ce n'est pas très intéressant. J'ai fait un test, mais ça n'a rien donné parce que je voulais savoir si des produits, on pouvait retrouver les ventes dessus. Mais j'ai pas pu. Voilà, donc ici, j'ai modifié mon modèle. Je vais publier ça. Pendant qu'il le publie, il va falloir que j'arrête mon Excel et on va revenir dessus. Démonstration, oui. C'est mon espace de travail et pendant qu'il fait ça, je vais arrêter mon Excel. Je reviens dessus. Voilà, la publication est terminée et je reviens. Je vais redémarrer mon Excel avec mon classeur sur lequel j'étais à l'instant. En attendant, on a une question de Laurence qui demande, okay, peut-on aussi récupérer ces données géographiques sous Power BI? Alors j'ai répondu que non, les données liées ne sont pas disponibles dans Power BI. C'est vrai que ça, c'est une spécificité d'Excel. Ça, c'est quelque chose Bien d'unique et sûr. spécifique à Excel. Voilà. Alors, vous avez vu, j'ai redémarré mon Excel et ce qui y avant, j'avais trois icônes, une organisation qui me disait que c'était vide, les données boursières que j'ai déjà montrées, et pareil pour les données géographiques. Ici, je me retrouve avec trois nouvelles icônes qui correspondent à mon organisation, à savoir customer, product et donc l'idée, c'est je vais pouvoir refaire la même chose. Donc, product, et je vais prendre le 707. Alors, j'ai déjà regardé la valeur. Hein. C'est un code produit. Et si je lui dis que ça, c'est un produit, voilà, il a retrouvé que c'est un casque rouge. Et alors, oui, je fais un contrôle Z, pardon. Je n'ai pas fait mon tableau. Il est en train de me dire que ça, il ne le trouve pas produit. Ben oui, ce n'est pas un produit. Donc, je vais revenir en arrière et je vais faire contrôle L pour dire que c'est un tableau avec mon titre. Et c'est mieux de le travailler en tableau, hein, de manière générale. Et je lui dis que c'est un produit et il va retrouver mon produit tout de suite. Donc voilà. Et donc je peux lui rajouter les couleurs, le nom, ben, ça c'y est déjà. Le product number, en fait son SKU, le coût standard, etc. Et bien sûr, j'ai toujours ma petite carte pour me dire, et vous voyez que c'est un petit logo ici qui vient dire que c'est Power BI. Donc, il faut savoir que les données ici, si j'enregistre et que je réactualise, automatiquement, mon tableau ici se prend sa source dans Power BI, dans un dataset, dans un jeu de données Power BI, et il est réactualisé. Et donc, je peux comme ça, et bien, soit suivre les informations, soit les afficher.
le prix de le liste prix, etc. Donc voilà. Et ça, je pourrais aussi le faire. Alors, si je prends un autre article produit, un autre produit. J'avais pris le premier, c'est 707. Maintenant, si je prends le 804, par exemple, si je mets 804 et que je lui dis que c'est un produit, voilà, il me remplit. Alors, il trouve pas la couleur. Il ne doit pas y avoir de couleur associée, et ainsi de suite. Vous pouvez comme ça avoir une possibilité d'avoir des rapports, de créer des tableaux dans Excel qui permettent de suivre des informations qui sont issues de votre Power BI. Par exemple, je veux, je pourrais travailler sur autre chose que le code ID, hein, je pourrais prendre sa référence ou son nom et les rajouter ici, et puis retrouver tout de suite les informations et d'en faire des tableaux croisés dynamiques, puisque rien ne m'interdit de toujours, hein, de par exemple, de faire des opérations, de connaître la marge que je fais en vendant ce produit entre son coût et son prix vendu. Ben voilà, j'ai ici. Son prix, la marge que je fais dessus. Rien ne m'interdit de calculer cette marge en pourcentage. Ah. Donc, et ça, c'est du pourcent. De connaître ainsi la marge que je fais dessus. Ouais, je marche plutôt bien, hein, puisque je le vends plutôt deux fois plus cher que je l'achète. Donc, ce qui est pas mal quand même. Je pourrais faire pareil avec mes clients. Hein. Donc, je vais prendre ma table, je vais créer ma table client. Alors, toujours pareil, j'ai prévu mes chiffres, hein, à l'avance pour donner une meilleure rapidité. 2, 23, 24. Voilà, j'en fais un petit tableau. CTRL-L. Voilà. Et maintenant, je lui dis là-dessus que c'est un mes clients. Et vous voyez qui m'a retrouvé et qui m'affiche la carte dessus. Le numéro de téléphone, son adresse email, le nom de la personne, son titre, sa civilité, name style, ça dépend de votre modèle, etc. Voilà, donc je peux rajouter le nom, et ainsi de suite. Voilà, voilà. Donc ça, c'est une façon de pouvoir aller chercher les données par rapport à ça. Alors j'ai essayé, par exemple, tout à l'heure, je vous disais, hein, j'ai essayé d'importer les données de facture, mais il n'y a aucun moyen, malgré la liaison entre de ces tables, de pouvoir lister, retrouver les factures, les ventes de ce produit ou de partir des ventes, de retrouver l'information sur les produits. Ça semblerait que ça n'existe pas. Voilà. Donc, dès que quelqu'un fait ça dans le Power BI service, vous pouvez récupérer automatiquement l'ensemble de toutes les données qu'on mettrait à disposition. Ça, c'est une façon de le faire. Et c'est assez simple, c'est assez agréable que quand quelqu'un publie un jeu de données, ben, vous puissiez le retrouver. Et c'est plutôt orienté table que les jeux de données. Maintenant, ce que je voulais vous montrer, c'est qu'on peut le faire autrement. Individuellement en utilisant Power Query. Alors, pour ceux qui l'ignorent, Power Query, il est installé dans Power BI. C'est le module qui s'appelle Transformer les données. Quand vous faites ça, ben, vous voyez que vous passez sur l'éditeur Power Query. Donc, sans aucune mesquinerie de ma part, c'est du Power Query qui est. Allô? Quelqu'un disait quelque chose? Quelqu'un qui n'a pas. Fait son micro, d'accord. Baisse au micro, ouais, peut-être. Alors, ce qui, dans ma démo, là, ce que je vais faire, c'est que je vais reprendre le script M qui sert à alimenter cette table produit et je vais vous montrer comment on peut le faire autrement, la même chose, de la même manière. Alors, pour faire plus simple, je vais prendre ce script et je vais aller dans Excel et je vais rajouter ce script, mais j'aurais pu le faire avec. Parce que Power Query, en fait, dans Excel, il est caché ici. Récupérer et transformer les données. C'est Power Query qu'on a ici. Et je veux, pour la preuve, c'est que je vais ouvrir une requête vide. Et vous allez retrouver sensiblement la même fenêtre. Toujours l'éditeur Power Query. Je ne sais pas si vous voyez. Hein, il est encore là, son nom, donc je n'invente rien. Rien ne m'interdit de me connecter à toutes les sources de données qui existent. Pareil, etc. Alors, je me suis amusé à tout hasard à essayer de me connecter à une source web.
Et j'ai repris, je l'ai fait dans Power BI Desktop et j'ai voulu le récupérer dans Excel. Il se trouve que Excel n'est pas mis à jour, le Power Query d'Excel n'est pas mis à jour aussi rapidement que peut l'être Power Query dans Excel et pardon, que peut l'être dans Power BI, dans Power Query, dans Power BI Desktop. Et j'ai retrouvé des codes qui n'existaient pas. Alors j'en fais, là, je colle mon script. J'aurais pu le faire en cliquant pour me connecter à ma base de données dans Azure. Mais pour gagner du temps, c'est pour mon but, ce n'est pas de vous montrer comment je fais ça. Voilà, on va le faire. Peut-être que la base s'est arrêtée, comme il y a un moment que je ne l'ai pas utilisée, et au bout d'1 heure, elle s'arrête toute seule. Je vais peut-être avoir un code d'erreur. Il faudra juste que je le relance pour que, entre-temps, elle se soit réveillée. Alors, est-ce qu'il va se planter ou pas? Tiens, en attendant, on a une question Oui, vas-y, de ça tombe bien, vas-y, pose-moi des questions. David Blaise qui demande, OK, peut-on faire du RLS, donc du Row Level Security ou de la sécurité des lignes données dans ce mode de fonctionnement? Je pense que oui, puisque vous utilisez votre propre connexion pour vous connecter aux sources de données, au dataset, donc normalement, ça s'applique et que les requêtes se font en direct, en temps réel. Depuis Power BI Service, c'est-à-dire que s'il n'y a pas de cache, il n'y a rien. C'est vraiment de la demande sur Power BI Service. Et normalement, tout ce qui est applicable en RLS, en filtrage, etc., même au OLS, hein, Object Level Security, qui est un module récent. Voilà, donc là, je me suis connecté, et sauf que, vous voyez, il m'a importé les données, c'est bien ça. Sauf que j'étais un peu vite, je vais revenir sur Power BI Service et je vais refaire ma modification et il faut que j'active un mode pour faire ce que je veux faire, dans transformer Sur Power Query, tu veux dire? sur Power Query, oui, excuse-moi, oui, c'est Power Query dans Excel. Créer un type de données. Voilà, je vais activer ça et je vais lui dire dans l'option avancée, j'aurais pu, si j'avais sélectionné les colonnes, il me l'aurait fait tout seul. Je lui dis d'ajouter toutes les colonnes. Voilà. Ici, je me retrouve avec une seule colonne et je vais revenir dans Excel. Voilà, il est en train de charger. Vous voyez que l'affichage va changer dans quelques instants. Voilà. Et maintenant, je peux retrouver mon mode pour type de données, product number et le nom, le name. Voilà. Voilà. J'ai pu le faire aussi par ce biais-là, en créant ma propre requête et pour pouvoir récupérer l'ensemble des données. Et j'ai toujours ma petite carte qui reprend toutes les données qui est issue de ma table Power Query. Et là, encore une fois, c'est vraiment une spécificité d'Excel, puisqu'on n'a pas cette possibilité de créer des données liées dans Power Query pour Power BI, par exemple. Les requêtes qui sont dans Power Query, ici, pareil, ça se met à jour dynamiquement. Donc, si je ferme mon fichier Excel et que je le rouvre, je lui fais actualiser, j'aurai les nouvelles données. Voilà, il y a quelques scénarios intéressants sur la documentation de Microsoft qui vous explique que certains scénarios avancés autour de factures, etc., pour pouvoir accéder à des informations en temps réel, ou en tout cas réactualiser régulièrement. Voilà, j'en ai fini avec mes démonstrations. Et un petit mot. Alors, il y a quelques limites, hein. Alors, c'est que dans Excel, dans le canal actuel, donc c'est-à-dire si vous avez dans Excel, vous avez plusieurs façons de réactualiser Excel. Vous avez le canal actuel où vous avez les modifications quasiment. Dès que Microsoft publie une correction à Excel, vous avez sa mise à jour. Vous avez aussi des modes semi-annuels. Alors, vous avez un mode annuel, vous avez Microsoft garantit qu'une seule mise à jour par mois. Et vous avez aussi une mise à jour semi-annuelle pour les grandes entreprises. Pardon, qui vous permet de qui garantit à l'IT de prendre le temps de tester les nouveautés d'Excel avant de les proposer à tous les utilisateurs. Donc c'est que dans le canal annuel. Ça ne marche pas en direct query, dans les sources de données de type direct query, aux connexions actives, ce qu'on peut appeler les live connections, les live queries dans SSAS. Ça ne marche pas dans les mesures
ça n'intègre pas les mesures définies dans les tables associées, les mesures implicites avec des relations, etc. Ça ne marche pas. Et ça ne marche que dans les nouveaux espaces de travail Power BI et pas dans les anciens. Voilà, ça c'est quelques restrictions. Oui, ça, pardon. Alors, oui, ça j'ai fait la démo pour query et démo, ça c'est fait. Juste une petite chose, il existe, je ne sais pas si vous savez, il existe différentes versions d'Excel, alors que ce soit dans la version Microsoft Office 365, celui qui s'actualise tout seul, ou qui est dans Excel 2019, qui est dans la version boîte. Vous avez différentes éditions d'Excel. Par exemple, vous avez des éditions personnelles, familiales, professionnelles, Pro Plus, etc. Il y a plusieurs noms. Il faut savoir que les types de données sont différents quand vous avez une édition familiale ou personnelle. Et vous avez notamment une liaison qui est toujours en preview, qui est liée à Wolfram Alpha. Je ne sais pas si vous connaissez Wolfram Alpha. C'est une société qui essaie de récupérer toutes les données, qui essaie de les agencer les unes par rapport aux autres. Alors, c'est une sorte de Wikipédia, mais beaucoup plus intelligent. Et c'est Wolfram Alpha. Vous permet, ils ont un accord avec Microsoft. En fait, Microsoft a un accord avec Wolfram Alpha pour aller chercher les informations. Et en preview, et vous pouvez comme ça afficher des types de données comme par exemple de la nourriture ou des constellations ou de la location, des codes postaux, etc. Des données sur des films. Vous pouvez à partir d'une information essayer de retrouver tous les autres. Par exemple, j'imagine sur un film de retrouver le nom du réalisateur, sa date de sortie, les acteurs principaux, etc. Donc voilà, mais ça, ce n'est pas dans la version professionnelle, ce qui est peut-être un peu regrettable, mais bon. Mais c'est toujours en preview, c'est toujours pas libéré a priori chez Microsoft. Voilà, on en a fini avec les petits. Est-ce qu'il y a des questions, David, sur la partie type de données? Oui, tout à fait. Il y a une question de Didier qui demande, OK, on a parlé de facture. Comment peut-on mettre en forme ce type de restitution de type OLAP? Alors, j'ai Alors, demandé une précision. Il dit, OK, eh bien, le sujet et la sortie sous forme de tableau croisé dynamique n'est pas très cool pour en sortir un beau rapport. Oui, tout à fait. L'idée, c'est plutôt d'en avoir une synthèse de la facturation et non pas d'en avoir une façon de faire une vraie facture et de pouvoir l'imprimer. Voilà. Autre chose, David? Bon, on avait une remarque également de Didier Maignan qui disait que, bon, en fait, les données liées utilisent le moteur de recherche Bing pour restituer donc tous les éléments liés à ces données. Oui, effectivement, que ce soit les données géographiques ou financières, boursières, c'est Bing qui fournit les informations. Alors Microsoft utilise de plus en plus leur service Bing pour plein de choses et voilà. Et comme source de données, quand on pose des questions, etc., c'est Bing qui fournit la réponse. Et donc là aussi, c'est effectivement c'est Bing ou Wolfram Alpha si vous avez une version personnelle. Voilà, je crois que c'est tout. Oui, tout à fait, oui. Ok. Alors, on va arriver aux conclusions. Et on revient donc à la question initiale qui était de savoir est-ce que Excel va prendre la retraite. Alors, je me suis posé la question et là, je vous ai montré les dernières nouveautés que Microsoft a mis dans sa roadmap de ce qui a déjà été et qui est en cours de déploiement. Donc, un certain nombre de petites choses que Microsoft a documentées volontairement à l'avance dans sa roadmap. Et ça, ce sont les nouveautés dans Excel, que ce soit Excel sur le bureau ou Excel dans le web. Donc voilà les prochaines modifications qui vont apparaître. Donc Excel continue d'investir allègrement. Et toujours dans les investissements, vous savez que Microsoft, alors pour ceux qui étaient dans une grotte, peut-être moins, mais et Microsoft va sortir à la fin de l'année sur les nouvelles machines et pour ceux qui sont déjà équipés de machines existantes, vont sortir une mise à jour probablement gratuite qui s'appellera Windows 11, où ils vont refaire un certain nombre de choses. Et ils vont accompagner la sortie de Windows 11 d'une refonte de l'interface, de la partie visuelle de la suite Office. Là, je vous ai montré sur ce qu'ils appellent leur interface Fluent UI.
Ça passe par des nouvelles couleurs. Vous avez peut-être vu que certaines icônes ont changé dans Windows, etc. Vous avez vu des effets de transparence par endroit, etc. Et donc, c'est un peu là-dessus que travaille Microsoft. Et Excel va subir aussi ce lifting. Là, je vous ai retrouvé à quoi ressemblera Excel à terme, en même temps que sortira Windows 11. Voilà, donc, vous voyez ici, il y a des petites formes. Beaucoup plus d'arrondis, ce sera très arrondi, ce sera tout un peu plus mielleux, etc. La prochaine sortie d'Excel. Donc Microsoft continue d'investir sur Excel. Et je pense que vu les nouveautés qui sortent, vu ce que je vous ai présenté avec les interfaces Power BI, que moi aussi vous a montré David, ben, je pense que la saga Excel n'est pas fini. Alors, je vous ai parlé on va déterrer les cadavres. Alors, vous connaissez Excel, le futur Excel, vous connaissez l'Excel d'aujourd'hui, mais je me suis amusé à retrouver une interface de multiplan en mode caractère. Donc ça, c'est le multiplan, donc on est dans les années 82-83, si je me souviens bien. Voici le tout premier Excel, version 1,5 d'Excel. Il était pour Macintosh à l'époque. Et j'ai retrouvé le premier Excel aussi, qui était la version 3 d'Excel, sous Windows. Alors ce qui est intéressant, c'est que globalement, si vous regardez bien, vous avez toujours à peu près la même philosophie. La même philosophie, à savoir toujours un tableau avec des colonnes et des lignes. Et la possibilité de rentrer des valeurs, des nombres et des formules. Globalement, ça n'a pas changé. Mais autour, beaucoup de choses ont changé. Je sais pas si, en tout cas, c'est mon avis. Et si vous voulez, vous pouvez peut-être me dire quelles sont les fonctionnalités qui vous ont plus plu, qui vous utilisez le plus dans Excel, des choses originales. Alors, pour ma part, je vais vous les donner. Moi, c'est deux choses, hein. C'est la possibilité de travailler en mode tableau. Et l'autre, c'est les tableaux croisés dynamiques, les TCD. Ça, c'était vraiment pour moi une révolution dans le fonctionnement d'Excel. Voilà, donc utilisez le chat si vous avez des fonctionnalités comme ça que vous adorez, que vous voulez mettre en avant dans Excel tel qu'on le connaît. Les valeurs cibles. Ah oui, Didier nous parle des valeurs cibles. C'est une façon de calculer à rebours des. Si je me souviens bien, de calculer à rebours des scénarios en disant, ben voilà, vous avez des formules dans tous les sens et vous voulez qu'à la fin, ça doit faire 1 000 $. Et combien vous devez vendre de choses, etc. Vous lui donnez les valeurs qui peuvent changer et ça vous permet comme ça de faire la simulation jusqu'à ce qu'il trouve la bonne valeur qu'il trouve. Stéphane me parle des TCD. Allez, oui, les tableaux croisés dynamiques, les TCD. OK. Comme autre chose, non, je ne sais pas. N'y a pas d'autres. Non, il n'y a pas d'autres choses. Voilà, c'est la session des questions-réponses. Alors, je propose à Didier, je sais que j'ai mis de côté quelques questions au moment où on parlait d'analyser dans Excel. Est-ce que Didier voulait prendre la parole et reposer ses questions? C'est moi, il y a Stéphane qui dit appareil photo. Sais pas à quoi ça correspond. Bon. Peut-être qu'il va nous expliquer. Allô, vous m'entendez? Oui, vous m'entendez là? Oui, on vous entend. Oui. Oui, j'avais des questions et par rapport au C'est à qui? la C'est Didier? sortie. De... Oui, c'est Didier. J'ai Oui, pas vu qui bonsoir. avait dit bonsoir. Voilà, je suis occasionnellement à Ilkirch, mais là actuellement en vacances D'accord. en Normandie. Oui, en fait, ce que j'aurais trouvé sympa, c'est de pouvoir récupérer dans Excel des données de Power BI pour en contourner des manquements comme les difficultés pour imprimer des listes qui sont trop longues et qui dépassent les pages, des choses comme ça. Et là, j'ai l'impression que ce n'est pas si facile que ça pour répondre à cette problématique. On revient. Qu'est-ce que vous en pensez? Effectivement. Alors, c'est vrai que Power BI, il est construit
Et on va peut-être reprendre l'information qu'on donnait au début avec les rapports paginés. C'est vrai que Power BI, il est destiné à respecter essentiellement un mode graphique en ligne dans un navigateur et pour faire du mode interactif. Il a vraiment été construit pour ça. Et si vous voulez d'autres modes, justement pour manquer ces manques, pour pallier ces manques, ils ont maintenu le SSRS et on l'a intégré sous forme de sous forme de excusez-moi de rapport paginé qui effectivement vous permet de sortir. On parlait de factures, mais vraiment de sortir des factures telles qu'on a l'habitude de le faire avec des en-têtes, un tableau dynamique avec des nombres de lignes variables et puis un pied de facture, etc. Des étiquettes, j'en ai cité, des listes, etc. Effectivement. Mais l'un ne remplacera jamais l'autre. Ce sont deux, pour moi, c'est deux modes de fonctionnement complètement différents. Un très interactif lié à l'analyse dynamique. Des informations et faire des croisements d'informations et quelque chose de plus orienté imprimante que sont les rapports paginés. Il y a d'autres questions qui sont affichées, ou en tout cas des remarques. Stéphane Planet mentionne encore l'outil appareil photo dynamique d'Excel. Je ne suis pas sûr de bien comprendre. Tu vois de quoi il parle? Alors, je pense qu'il peut être, alors j'en sais rien, c'est peut-être la possibilité de faire. Je vous fais un petit démo si vous voulez. Bah, écoutez, allons-y. C'est juste un petit outil qui est assez sympa pour le. Alors, je ne sais pas si vous allez voir mon écran. Oui, ils sont en train de s'afficher, oui, tout à fait. Voyez mon Oui. écran? Oui. Oui. Donc, en fait, il y a un appareil photo qu'on peut récupérer lorsqu'on ajoute une autre commande à Excel. Il y a ce qu'on appelle l'outil appareil photo. Et l'idée, c'est que lorsqu'on crée des reports, c'est assez intéressant de pouvoir sélectionner une zone comme celle-là. Par exemple, prendre une photo de cette zone. Et en fait, cette photo, maintenant, elle est dynamique, que je peux venir placer à peu près n'importe où. Donc, je vais recommencer pour. Donc, je fais la photo de cette zone ici. Et puis, je viens la placer, cette photo, directement ici. Donc, en fait, c'est une photo, c'est une image, mais qui est complètement dynamique. C'est-à-dire que si je change des informations ici à l'intérieur, elles viendront, les mettre à jour directement dans ma photo. Voilà. Donc, c'est un outil que j'ai trouvé génial et que, voilà, bah, j'en profite pour partager avec vous. Ben c'est gentil, c'est parfait. On est là Super. pour ça, de partager des idées. Moi, j'avais pensé à l'appareil photo qu'il y a sur l'appareil mobile. Tu sais que quand tu es sur ton téléphone portable, tu peux éventuellement prendre une photo d'un tableau et Excel va Oui. automatiquement transcrire ça en texte dans un tableau correctement construit. Exact, ils l'ont mis sur Android et depuis peu sur iOS, si je crois bien, si c'est dans ce sens-là qu'ils ont sorti. Effectivement, ils utilisent un moteur qu'on appelle d'OCR. Oui. Ils utilisent effectivement, ils transposent une photo en tableau en temps réel. Teddy de Saint-Amand nous pose une question, à savoir est-ce qu'il y a une mise à jour du moteur de graphique d'Excel. Alors c'est vrai que les graphiques d'Excel sont par rapport à Power BI, ça manque un peu quelque chose quand même. Ouais. Et j'ai entendu dire à un moment donné qu'Excel allait porter dans Excel la possibilité d'utiliser les mêmes types de graphiques que ceux de ceux de Power BI, c'est-à-dire qu'on aurait exactement les mêmes graphiques dans Power BI. Alors ça signifiait, je pense, en tâche de fond, de pouvoir avoir des moteurs de rendu JavaScript. Hein, vous savez que, je ne sais pas si vous savez, mais c'est le moteur D3 JS qui sert pour faire le rendu des graphiques dans Power BI Desktop et Power BI Service. Et donc, je pense que Microsoft allait porter ce moteur. Dans Excel. Mais ça fait un bout de temps que j'ai entendu parler, mais je n'ai rien entendu, rien vu venir. Donc peut-être qu'ils ont abandonné, peut-être que voilà. Mais j'en sais pas plus. Mais c'est vrai que aux dernières nouvelles, quand on regarde les mises à jour, il n'y a pas forcément grand-chose prévu dans les graphiques d'Excel. Didier, est-ce que vous avez une autre question? Vous pouvez allumer, non, non, d'accord, ok. Est-ce que d'autres personnes ont des questions? Soit vous le chat, soit vous prenez la parole.
En tout cas, il y en a pas mal qui ont trouvé intéressant l'appareil photo qui n'était pas forcément connu et beaucoup ont réagi positivement, quoi. C'est vrai que nous-mêmes, on ne connaissait pas forcément, Ah quoi. non, je ne connaissais pas. Je pensais connaître beaucoup de choses dans Excel, pas tout, mais beaucoup de choses dans Excel. J'ai dit on avait écrit, David et moi, dans la présentation, 1 milliard de licences Excel au bas mot. Il faut savoir que, pour revenir dans les cadavres, c'est que le premier outil qui faisait vendre la micro-informatique, c'était les tableurs. Syscalc, Visical, pardon, c'était ce qui a fait vendre à l'époque le micro-ordinateur. Pareil, on n'a pas pu imaginer un Apple II sans Excel, sans un tableur pour pouvoir démarrer. C'est le produit qui a fait vraiment décoller la micro-informatique plus que Word ou les autres systèmes ou Basic, etc. Voilà, ben on n'a plus de questions particulières. S'il y a d'autres réactions, n'hésitez pas à prendre la parole aussi. En tout cas, clairement, Excel a encore de beaux jours devant lui Je pense. et c'est encore très, très utilisé, très apprécié. Et c'est assez intéressant parce que malgré tous les outils qui sont mis en place pour l'analyse de données et tout ce qui peut se faire avec Power BI, il y a encore des connexions qui vont se faire vers Excel pour pouvoir continuer à travailler dans Excel, quoi. C'est vrai qu'au départ, quand Power BI a évolué, bon, on s'imaginait pas pouvoir retourner sur Excel. On se dit, bon, Power BI est suffisamment bien pour faire tout ce qu'on a besoin. Et finalement, Microsoft a quand même développé un connecteur pour pouvoir intégrer ces données dans Excel et pouvoir permettre aux gens de rester avec cet outil qui est très familier, quoi. Alors ce qui est marrant, c'est que sur certains réseaux, je pense à LinkedIn notamment, il y a toujours des gens bien intentionnés qui vous expliquent que finalement Excel, c'est le passé et qu'il faut tourner vers d'autres produits. Honnêtement, j'ai jamais entendu des arguments qui m'ont convaincu qu'ils étaient dans le vrai, ces gens-là. Bon, bah, écoutez, on va mettre fin à cette réunion, s'il n'y a plus d'autres commentaires. Non, bah bon, on Non. y va. OK. En tout cas, vous remercie chaleureusement de votre présence, d'avoir assisté, d'avoir participé avec vos questions, vos réponses et vos apports. Merci beaucoup à vous. Merci à tous, bonne soirée et à très bientôt pour la nouvelle saison donc en septembre. La saison 6 de Club Power BI. Tout à fait. Et bonnes vacances à ceux qui partent. Je vais arrêter l'enregistrement.